J'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des donuts. Il va nous falloir entre 500 à 550 g de farine, 2 œufs, 50 g de sucre, 50 g de beurre fondu, une demi-cuillère à café de sel, 42 g de levure boulangère fraîche et 200 ml de lait tiède. Donc tout d'abord, on a mis notre farine, on fait un petit puits, voilà, on ajoute le lait, la levure et 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va laisser reposer une dizaine de minutes. On va recouvrir, voilà, et on laisse reposer 10 minutes. Je recouvre mon mélange. Voici mon mélange après 10 minutes de repos. Là, je vais venir ajouter les œufs, le sucre, le reste de mon sucre, le beurre, le sel, et je vais pétrir. J'ai laissé de la farine de côté. Admettons que votre farine n'absorbe pas, donc vous ajoutez un peu de farine. Donc c'est pour ça que je vous ai dit entre 500 et 550. Tout dépend de votre farine. Donc pour ma part, au niveau de la farine, j'en ai pas eu besoin. Donc, j'en ai pas ajouté. Donc, j'ai eu besoin juste de 500 g de farine, pas plus. Je vous précise parce que tout dépend de votre farine. Voici ma pâte une fois pétrie. Regardez comment elle est. Vous avez vu? Voilà, elle est bien. Elle est souple. Voilà. Voilà. Elle ne colle pas, hein, vous avez vu? Bon, elle colle un petit peu, mais pas énormément. C'est vraiment une pâte très souple, très maniable. Regardez, voilà, et très élastique, vous avez vu. Voilà, et du coup là, on va la laisser reposer jusqu'à une double de volume et ensuite, on viendra la façonner. Laisse à température ambiante. Hein. Regardez, voici ma pâte une fois levée, vous avez vu, elle a doublé de volume. Voilà, là j'ai pris une partie de pâte que je vais étaler, voilà, pour façonner mes petits donuts. Je me suis aidée d'un emporte-pièce et d'une douille hein, pour faire le petit trou au milieu. Regardez, voilà, comme ceci. Et surtout, n'étalez pas trop votre pâte. Laissez-la un peu épaisse. On va venir les poser sur un plateau recouvert de papier de cuisson et on va les laisser lever jusqu'au double de volume et après, on les fera frire. Mes beignets et je les laisse lever à température. Voici mes beignets une fois levés. Vous avez vu, ils ont vraiment doublé de volume. Hein. Et là, on va les faire frire. Une fois que votre huile est bien chaude, surtout baissez à feu doux. Comme ça, vos donuts sont cuits à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, voici mes donuts, hein, vous avez vu. Et pourtant, c'est à feu doux. Hein. Et vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai dit, mais vraiment baissez parce que sinon, après, vous risquez d'avoir des donuts cuits à l'extérieur et à l'intérieur, ils ne seront pas cuits, ça sera que de la pâte. Donc, c'est comme pour les beignets, c'est pareil, c'est le même procédé. Je les retire une fois cuits et je les mets dans mon plat. Voici mes donuts et là, on va passer à la décoration. Je vais venir décorer mes donuts, donc voilà, avec des petites décorations comme celle-là, en sucre et au chocolat. J'avais acheté ça à Lidl. Hein. Voilà. Et avec spéculoos aussi, que j'ai émietté, et des noisettes, et du sucre pailleté aussi. Au niveau du chocolat, donc j'ai pris 200 g de chocolat que j'ai fait fondre avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacao. En fait, ça permet à fluidifier mon chocolat. Donc, voilà.
Et pareil pour le chocolat blanc, j'ai pris 200 grammes avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacao. Donc là, je vais venir prendre mon donut et je vais le tremper à l'intérieur de mon chocolat. Regardez, comme je procède comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Une fois terminé, regardez à l'intérieur. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.